Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier le processus de cancérisation à partir de l'exemple d'une mutation du gène P53. Et pour comprendre cela, on va d'abord expliquer comment fonctionne la protéine P53 lorsque tout est normal. Comme toute protéine, la protéine P53 est le résultat de l'expression d'un gène, donc de l'ADN. Et ce gène, lorsqu'il s'exprime, on a donc la transcription du gène en ARN messager, la traduction de l'ARN messager en protéine, et lorsque le gène... P53 n'est pas muté, on a une protéine P53 normale qui est produite par les cellules de notre organisme. Cette protéine P53, lorsque tout fonctionne bien, son rôle, sa fonction, c'est de lire la molécule d'ADN et de repérer des erreurs. Ici, pour l'exemple, j'ai mis une mutation où on a un T en face d'un G, ce qui n'est pas normal, puisque normalement, en face d'un G, on devrait avoir un C. La protéine P53 va repérer une erreur dans l'ADN, la, et lorsqu'elle repère une erreur, dans l'ADN, elle déclenche un ensemble de réactions qui va aboutir soit à l'arrêt du cycle cellulaire, soit à l'apoptose de la cellule. Alors je vais expliquer tout ça. Donc, lorsque P53 détecte une erreur, elle peut déclencher l'arrêt du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, c'est le fait qu'une cellule va passer par une phase G1, puis une phase S, où il y a la réplication de l'ADN, qui va préparer la phase G2, puis la mitose. Et à partir d'une cellule, la mitose va produire deux cellules filles, etc., etc. Donc, on voit bien que le cycle cellulaire a pour fonction de multiplier les cellules d'un cycle à l'autre par la mitose. Eh bien, lorsque P53 détecte une erreur, elle va stopper le cycle cellulaire et donc la cellule va arrêter de se diviser. Et le fait de stopper le cycle cellulaire peut permettre à la cellule de, de réaliser une éventuelle réparation de l'ADN. Donc une des fonctions de P53 lorsqu'elle détecte une erreur, c'est l'arrêt du cycle cellulaire et donc l'arrêt des divisions de la cellule. Autre chose que P53 peut faire lorsqu'elle détecte une erreur, lorsque P53 détecte une erreur, cela peut provoquer par un ensemble de réactions chimiques le déclenchement de l'apoptose de la cellule et l'apoptose de la cellule c'est le suicide cellulaire. Et donc en déclenchant le suicide cellulaire, cette cellule qui avait une erreur va mourir et donc disparaître et donc l'erreur n'existe plus. Donc on voit bien que la fonction de la protéine P53, c'est de repérer les erreurs de l'ADN et d'éviter que la cellule se divise et propage cette erreur, donc soit en arrêtant le cycle cellulaire soit en provoquant la mort de la cellule. Et bien dans beaucoup de cas de cancer, c'est le gène P53 qui est muté. Donc les mutations, on a dit qu'elles se produisaient au hasard, mais que les agents mutagènes augmentaient les risques de mutation. Et donc, lorsque les mutations touchent la cellule, il se peut qu'une mutation touche le gène P53. C'est excessivement rare, mais si une mutation touche le gène P53, eh bien, la cellule ne sera plus capable de produire une protéine P53 fonctionnelle. On va avoir une protéine P53 non fonctionnelle. Et si P53 ne fonctionne plus, P53 ne pourra plus détecter les erreurs. Et si elle ne détecte plus les erreurs, elle ne pourra plus stopper le cycle cellulaire s'il y a une erreur, et elle ne pourra plus provoquer le suicide de la cellule s'il y a une erreur. Et donc, lorsque la mutation touche le gène P53, la cellule n'est plus capable de produire une P53 fonctionnelle, et dans ce cas, la cellule devient immortelle. Elle devient immortelle puisque jamais le cycle cellulaire n'est arrêté. Donc, on a une cellule immortelle. Et comme le cycle cellulaire n'est jamais arrêté et que l'apoptose n'est jamais déclenchée, cette cellule, au cours du temps, va accumuler les mutations, elle va accumuler de nombreuses mutations qui jamais ne seront réparées, qui jamais n'aboutiront à la mort de la cellule ou à l'arrêt du cycle cellulaire, et donc on a une cellule qui va être une cellule cancéreuse, c'est-à-dire une cellule immortelle, dont le cycle cellulaire n'est pas arrêté, et qui accumule des mutations. En accumulant des mutations, cette cellule va perdre sa fonction. Et si par exemple, on est dans les poumons, la cellule pulmonaire ne pourra plus assurer sa fonction qui participe à la respiration. Et donc, on aura une cellule qui ne pourra plus fonctionner, mais qui accumule au cours du temps plein d'erreurs, plein de mutations et qui est immortelle. Cette cellule immortelle, vu que son cycle cellulaire n'est pas arrêté, elle va se multiplier. Et en se multipliant, elle va propager les erreurs aux cellules filles. Et c'est ça qu'on va appeler une tumeur maligne. Donc on va avoir un tas de cellules qui ont toutes le même patrimoine génétique, donc un clone cellulaire, un clone qui contient de très très nombreuses mutations et dont les cellules ont la propriété d'être immortelles. Donc c'est ça une tumeur maligne, c'est un ensemble de cellules issues de cette cellule cancéreuse. Il se peut dans certains cas que l'une des cellules cancéreuses se détache du tissu et soit emmené par la circulation sanguine à un autre endroit du corps. c'est ça que l'on appelle les métastases. et cela va provoquer un cancer dans un organe différent de l'organe de départ. et donc si on imagine que cette première tumeur était dans les poumons, on avait un cancer des poumons qui peut, auquel peut s'ajouter un cancer d'un autre organe. donc voilà pour le processus de cancérisation, qui est donc par, par moment et dans de nombreux cas, dû à une mutation du gène p53, qui, lorsqu'il fonctionne, est un gène qui intervient, dans la régulation du cycle cellulaire euh, suite à la détection d'erreurs dans l'ADN donc qu'on appelle un suppresseur de tumeur. Donc beaucoup de cancers sont dus à une mutation du gène p53 et donc à un mauvais fonctionnement d'un gène suppresseur de tumeur. Voilà pour le processus de cancérisation. Merci.